Alors maintenant, on va taper dans l'électricité. Alors attention, ça va être le basique, vraiment pour faire fonctionner, pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Point barre, c'est tout. On va pas aller dans les trucs très 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 compliqués, parce que sinon c'est un peu comme Oxygen Not Included, on peut y passer des heures et des heures. Donc déjà, avant tout, on va aussi remplacer ça, parce que ça c'était une sorte de prompt en fait. C'était juste pour montrer où allait être l'emplacement. Alors je vais reafficher la coque. Et on va placer la vraie écoutille qu'on va devoir câbler. Voilà, très bien. Ça, on le laisse pour le moment, on l'enlèvera après. On va aussi placer donc les lampes. Parce qu'on va câbler les lampes. Donc mettez un peu ce que vous voulez. Alors moi, je veux des lampes comme ça. Et j'en veux une aussi, genre là. Et j'en veux une ici. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les lampes, c'est que, bon, bien sûr, les lampes consomment du courant, évidemment. Les lampes, c'est bien d'en mettre où vous êtes souvent. C'est-à-dire que pas la peine d'éclairer le sous-marin en entier. Surtout que vous avez des lampes qui projettent des ombres et tout. Ça, vous pouvez l'activer, en fait, ou le désactiver. Si ça projette des ombres, ça va prendre plus de ressources de votre PC, évidemment. Donc, mettez pas des lampes qui font que des ressources que des ombres partout, parce que sinon, votre PC va ramer à fond. Déjà que le jeu, des fois, rame quand il y a beaucoup trop d'ennemis ou des trucs compliqués. Donc, faites attention à ça. Mais vous n'avez pas besoin de mettre des lampes vraiment partout. Alors, un truc que vous pouvez faire, c'est... Alors, moi, j'ai mis de sécurité. Ok, très bien. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est ça. Alors, c'est deux parties. C'est un support de câble en fait que vous pouvez trouver ici. Donc ça, c'est un support de câble gros large. Ça, c'est un support de câble petit. Et après, vous pouvez réduire en fait son échelle et tout ça. Alors moi, après, j'aime bien le design parce que je l'avais vu sur une personne, bah, le personne que j'ai sûrement mis dans la description, qui faisait ça. Et en gros, c'est pour faire des lampes de sécurité. Donc vous mettez un grillage dessus, ça fait comme si la lampe était dans un grillage et tout. Et vous prenez donc l'éclairage de sécurité que vous pouvez trouver ici. Donc ça, c'est l'éclairage de sécurité de base. Et vous pouvez en fait changer la couleur de la lampe, vous pouvez changer la portée de la lampe, vous pouvez tout changer en fait. Et si vous faites éclairage, vous voyez les lumières que ça fait. Donc voilà, donc moi j'ai ça, ce système d'éclairage de sécurité, qui va être allumé tout le temps. Et celui-là ne consomme pas d'énergie en fait. On va le placer là. On va placer... Oups, non, non, pas toi. On va placer éclairage de sécurité, voilà. Copier-coller, voilà, très bien. On va passer un deuxième dans la ballast ici, dans la base B, et on va placer aussi un autre ici. Voilà. Pourquoi? Parce que ici, ce sont des zones en fait où les gens ne vont pas rester. Aussi, une chose assez intéressante, c'est que maintenant, ça, il n'y avait pas, en plus, je l'ai découvert juste avant de commencer la vidéo, c'est que maintenant, vous pouvez faire des salles humides et éviter de rester aussi. Parce que si c'est des salles transitoires, ou alors des salles qui n'ont pas d'aération, les NPC, vous pouvez leur dire de ne pas rester en fait dans la salle. Ils vont pouvoir passer dans la salle pour passer à une autre salle, mais ils ne vont pas rester à l'intérieur. Parce que aussi, il faut penser aux NPC. Donc ça peut être un problème. Donc voilà, donc ici les gens vont pas rester ici, donc pas besoin d'avoir une lumière qui est constamment allumée. Pareil ici, les gens vont pas rester ici, donc pas besoin d'avoir une lumière constamment allumée. Par contre, là oui, là c'est le poste de commande. On va enlever la coque. Poste de commande, donc lumière. À la limite, là honnêtement, on n'a pas non plus besoin. Je vais être franc, on n'a pas vraiment besoin. On peut même mettre une lumière de sécurité aussi ici. Et on fait éclairage. Et si on veut vraiment voir ce que ça donne. On fait activer, activer, éclairage. Voilà. Donc là, le sous-marin, ça va donner ça. Donc honnêtement, là, il n'y a aucun problème. Là, il y a zéro problème. C'est illuminé. C'est assez illuminé partout. Il y a seulement deux lampes. C'est largement suffisant. Les ballasts, pas besoin qu'elles soient éclairées à fond. Là, pareil, il y a zéro problème. Là. Maintenant, on va commencer à câbler tout ça. Avant de câbler, parce qu'il faudra câbler aussi l'oxygène, ce qu'on va faire, c'est mettre des bouches d'aération. C'est ça, c'est conduit d'aération, tout simple. Des fois, je me prends la tête pour pas grand-chose. Donc, conduit d'aération. Donc, comme j'ai dit, on va remettre la coque. Chaque salle est dissociée par une porte et tout ça, avec les ouvertures. Donc, ça veut dire que l'oxygène va rester là. S'il y a de l'oxygène, elle ne va pas aller à droite. Si par contre, vous ouvrez la porte, là, elle va y aller, ok? Donc maintenant, vous voulez de l'oxygène en fait dans les salles où les gens vont être. Donc,
copier-coller. Hop là. Là, est-ce que vous avez vraiment besoin d'oxygène? On va dire oui, parce que c'est au niveau supérieur du sous-marin, mais honnêtement, vous n'avez peut-être même pas besoin d'en mettre là. Après, dans cette salle ici, il n'y a pas de problème, parce qu'on a fait une ouverture. On a connecté les deux salles, donc là, il n'y a pas de problème. Là, pareil, on n'a pas de problème, parce qu'on a tout connecté. Ici, en fait, ça va être inondé de temps en temps, donc pas besoin d'avoir de l'oxygène. Et les ballasts, encore une fois, il n'y a personne qui va dedans parce que ça va être inondé la plupart du temps. Donc pas besoin de mettre de l'oxygène non plus ici. Donc voilà. 3, ça suffit largement. Maintenant, pour connecter, il faut mettre lien. Donc pour connecter les bouches d'aération, en fait, au générateur d'oxygène, c'est très simple. Vous cliquez sur le générateur, vous maintenez espace et vous cliquez sur le conduit d'aération. À chaque fois, il faut faire ça, en fait. Recliquez ça, hop, recliquez ça. Hop. Et là, en gros, ça va être connecté. Donc, ces trois bouches d'aération vont sortir de l'oxygène, va sortir de ces trois bouches d'aération si le générateur fonctionne. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, enfin, c'est pas grave. On verra ça après. Donc, voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et il faut l'alimenter. Donc, voilà, là, on est bon. On va sauvegarder. Maintenant, pour l'électricité. Donc, on va passer en mode câblage. Donc, le mode câblage est le plus fun, mais le plus long à comprendre. Donc faut savoir que le générateur, donc la sortie du générateur c'est ici, donc on va câbler en rouge, donc c'est celui-là qui va fournir de l'électricité. Il faut déjà avoir en tête un peu comment vous voulez câbler votre truc, c'est-à-dire que est-ce que vous voulez avoir des batteries, parce que là nous on a une batterie par exemple, est-ce que vous voulez que votre générateur alimente tout en même temps, est-ce que vous voulez que votre générateur alimente tout et la batterie en même temps, vous voyez, faut gérer en fait, faut avoir un peu une idée de ce que vous voulez faire. Donc on va faire le truc très basique, c'est-à-dire que le générateur va alimenter une boîte de câblage qui va alimenter une autre boîte de câblage. Donc c'est très simple pour câbler, c'est donc vous mettez en mode câblage, vous mettez dessus sur, enfin tout ce qui peut être câblé va être en surbrillance, va être affiché. Vous faites E. Donc là, ça, c'est les différentes choses que vous pouvez avoir dans la boîte de câblage. Tiens, il y a même les signaux. C'est vrai que maintenant, ça aussi, c'est nouveau. Il y a pas mal de choses, en fait, qui ont été rajoutées. Il faudrait que je les utilise, parce que les signaux, je n'ai jamais utilisé encore pour le moment. Vous choisissez une couleur de câble. On va prendre du rouge. Voilà, vous cliquez en dehors. Et là, vous pouvez câbler autre chose. Donc là, on va sur celui-là. On fait E, encore une fois. On prend le câble et on l'accroche. La limite par accroche, c'est 5 câbles. Okay, c'est 5 câbles, donc ça faut penser à ça. Et là on va donc alimenter les 4 boîtes de raccordement. Donc là on a 4 boîtes de raccordement qui sont complètement liées au générateur. Donc ça c'est alimenté. Maintenant là on n'a plus que 3 emplacements pour l'énergie. Là aussi, là aussi, là aussi, et là on en a 4 parce que c'est le dernier. Donc vous voyez, donc faut penser à ça. Maintenant on va connecter aussi la batterie. Alors faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire en dernier, genre connecter. On va mettre la batterie en orange, par exemple. Vous pouvez faire comme ça. Entrée énergie. Sortie énergie. Et remettre ici. Donc, ce qui va se passer là, c'est que le générateur va alimenter toutes ces boîtes d'alimentation, de raccordement. La dernière boîte de raccordement va alimenter la batterie. Et la batterie va pouvoir remettre le courant dans les boîtes de raccordement si jamais on l'allume ou pas. Là, bien sûr, il n'y a pas de bouton genre allumer ou éteindre. Donc du coup, ça va tout le temps fonctionner. Donc on verra ça après pour tout ce qui est logistique et tout ça. Mais voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Après, il y a un peu des systèmes, on va dire, j'ai envie de dire, de sécurité. Où le mieux, c'est de mettre la batterie en tout début. Entrée énergie. Pourquoi? Parce que évidemment, si jamais cette boîte de raccordement brûle et que personne l'a réparée, du coup les deux autres d'après en fait vont pas avoir de courant. Donc du coup ça alimentera pas la batterie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc mettez tout ce qui est batterie et les choses importantes en premier. C'est très important. Ou après vous pouvez faire une sorte de cercle et recâbler en fait les unes avec les autres. Mais bon, du coup ça va prendre plus d'emplacement en fait. Mais voilà, ça c'est le truc de base. On va enlever le lien, comme ça on n'a plus les traits. Donc ça c'est le truc de base. Bah tiens, en parlant de liens, parce qu'on va continuer les liens vite fait. Pour alimenter les munitions en fait aux armes, c'est le même système que les bouches d'aération. Donc il faut faire espace en fait. Il faut cliquer par exemple sur les munitions,
espace, cliquez, et hop, ça alimente. Pareil, là on va faire exactement la même chose, ça c'est pour les grenades, hop, très bien. Il y a aussi, tant qu'on est là avec les liens, c'est vrai que j'aurais dû tout montrer, donc ça c'est le terminal, donc là ça c'est le terminal pour déplacer en fait votre sous-marin, vous avez différents signaux, et c'est tout pour le moment. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez en fait lier les deux, et vous faites afficher côte à côte si liaison. Voilà, vous cochez ça. Et maintenant, quand vous allez dans ça, vous voyez que... Je vais enlever ça. Vous voyez que maintenant, j'ai tout le sous-marin, en fait, qui est montré. J'ai tout simplement le moniteur d'état, en fait, qui est lié au moniteur pour bouger le sous-marin. Donc, je peux voir ce qui se passe dans le sous-marin pendant que je pilote. Donc, ça, c'est très, 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 très utile. Donc, faites ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des choses à raccorder? Enfin, à lier, plutôt. Pour le moment, non. On va continuer la base de l'électricité très simple. Donc on va raccorder ça. Il faut raccorder aussi le moteur, évidemment. Maintenant, on peut raccorder les lampes. Alors, une chose aussi assez intéressante, c'est que... là, il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Enfin, il y a une grosse limite, pardon, pour l'électricité, pour passer l'électricité. Donc dès que vous connectez quelque chose à une boîte de raccordement, ça va donner genre 2000 kW, des trucs comme ça. Les lampes consomment très peu. Les lampes consomment, vous pouvez le voir quelque part, je crois, si je ne suis pas aveugle. Consommation d'énergie, c'est 5. C'est très très bas. Donc ce que vous pouvez prendre, c'est faire un relais. Moi, j'aime bien faire comme ça. Les choses petites, en fait, je les mets ensemble les unes avec les autres. Donc faites un relais. Donc ça c'est pour la sortie, donc on va connecter les lampes pour la sortie. Donc deux lampes. Voilà, très bien. Donc là on a connecté les deux lampes et après le relais lui-même, on peut le connecter à l'entrée d'une boîte de raccordement. Comme ça, ça vous laisse plus de place en fait. Tout ce qui est petit, même les petites pompes, je crois aussi que... Consommation d'énergie 60, parce que quand vous regardez le relais, en fait, de base, le relais laisse passer 1000 d'électricité max. C'est 1000. Donc là, les lampes, elles vaut 5, donc c'est strictement rien. Donc vous pouvez en mettre pas mal, en fait, dans des relais. Donc vous voyez, vous pouvez faire ça. Les relais ne vont pas brûler, donc il n'y a pas de problème. Les boîtes de raccordement, si, mais les relais ne vont pas brûler, donc il n'y a aucun problème pour ça. Donc du coup, ça vous fait moins de boîtes de raccordement. Parce que si vous ne faites pas des choses comme ça, genre des petites choses sur des relais, en fait, à cause de la limite, du coup, de ça, de 5 câbles, parce que là, maintenant, si j'essaye de mettre un câble, vous voyez que je peux pas. À cause de cette limite, du coup, vous allez avoir des problèmes. Parce que si vous mettez chaque petite lampe, chaque petite pompe, chaque petite chose, en fait, sur toutes les boîtes de raccordement, vous allez avoir des problèmes avec l'électricité. Vous n'allez pas avoir assez de place. Donc, vous allez faire ça. Ça peut aider. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Hein. C'est comme, encore une fois, c'est comme... Comme j'ai dit, moi, je fais les bases pour que ça fonctionne. Oh, j'ai bougé un truc. J'ai bougé un truc et il fallait pas. Excusez-moi, attendez. Ok. En parlant de ça, on va faire structure. On va enlever la structure. Les murs, on peut les laisser. Voilà, très bien. Donc, on va mettre ça à côté. Parce que moi, j'aime bien mettre ça à côté. C'est pour dire que les lampes, en fait, sont raccordées à cette boîte. Après, vous faites comme vous voulez encore une fois, hein, évidemment. Alors, la coque, je l'ai pas bougée par erreur. Non, c'est bon. Coque, lien, très bien. Les murs. Alors après, vous pouvez faire un truc plus joli aussi. Maintenant, là, c'est la base de l'électricité. Après, on va câbler tout le reste. Mais je vais faire juste une petite parenthèse pour embellir la chose. Alors, les gens font un peu ce qu'ils veulent. On va décâbler la batterie pour le moment. Les gens font un peu ce qu'ils veulent. Vous pouvez laisser comme ça et jouer comme ça. Ça va être un peu moche, hein. Que les câbles passent partout, c'est un peu comme vous voulez. Après, il y en a qui aiment beaucoup rendre les câbles invisibles. Et ce que vous pouvez faire pour ça, c'est par exemple, vous pouvez en fait bouger le point d'entrée et le point de sortie du câble. Du coup, vous pouvez le mettre en fait n'importe où. Ça, c'est un câble qui est raccroché donc au moteur, mais du coup, vous pouvez mettre l'entrée là, si vous voulez. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez complètement réduire ça. Ouais, donc vous pouvez faire juste un point rouge, tout simplement. Et du coup, là, ça sera complètement invisible dans votre partie, si vous le mettez derrière le moteur, par exemple. Moi, personnellement, j'aime bien laisser les câbles et les mettre entre eux. Donc, après, c'est mon système, je vais vous montrer.
Vite fait. Donc ça, ce sont les câbles qui lient les boîtes entre elles. Donc ce que j'aime bien faire, c'est... Alors attendez, je crois que c'est dans décoration. Structure. Support, c'est support de câble. Donc on va prendre celui-là. On va faire ça. On va voir si la dimension est bonne. On va réduire la dimension. Donc échelle. Encore. Voilà. Voilà, très bien. Moi, c'est ce que j'aime faire. Après, encore une fois, ça c'est un peu de l'esthétique, c'est un peu comme vous voulez. Moi, j'aime bien mettre des câbles, si les câbles en fait passent, j'aime bien mettre des gaines comme ça en fait. Non, celle-là, c'est la grosse. On est à échelle 0,60 structure. Merde, j'ai rien dit. 0,60, pareil, 0,6, très bien. Donc voilà, quand ça monte et ça descendra, on les mettra dans des gaines comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Après, c'est comme vous voulez, encore une fois. Là, on peut faire pareil avec le moteur. Du coup, on prend la gaine, on fait ça, un truc comme ça. Voilà, très bien. On peut faire passer les câbles les uns sur les autres. Donc, on peut continuer. Je fais de la merde, j'arrive pas. Voilà, merci. Voilà. On peut faire un truc comme ça donne un truc un peu plus, on va dire, logique, un peu plus agréable à regarder. Pour ce qui est des lampes. Alors après, pour ajouter des points, en fait, pour tordre les câbles, donc vous cliquez sur le câble, vous faites contrôle, et vous faites clic. Ça va faire un point. Et là, avec ce point, vous allez pouvoir le bouger. C'était très chiant au début, je savais pas du tout comment faire ça, c'était très chiant. Donc voilà, vous allez pouvoir le bouger. Et si vous voulez l'enlever, vous faites clic droit. Hop, ça enlève le point. Donc ce que vous pouvez faire ça. Ah, vous replacez bien le point pour bien que ça soit aligné en fait sur une grille, parce qu'il y a une sorte de grille invisible en fait. Donc vous pouvez aligner les choses facilement. Là, pareil. Là, on va faire que le point soit bien aligné. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc comme ça. Hop. Et là, hop. Comme ça, on fait un truc propre. Voilà, et ça donne ça. Et bien sûr, vous pouvez faire passer le câble un peu n'importe où, hein, évidemment. Mais là, ça sera propre, moi. Pour la deuxième lampe, on peut faire plus ou moins la même chose. C'est remettre un peu le point, mettre un autre point ici. Très bien. Hop. Hop. Là, on en est où? Est-ce que le câble est 3? Non, le câble est trop bas ici. Là, on est bon, on est droit. Nickel. On va mettre ça. Et voilà. Là, on a un truc sympathique à regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez faire vraiment des très belles décorations, en fait, grâce au câblage comme ça. Et du coup, c'est plus sympa pour vous et c'est plus facile, en fait, à savoir où sont les choses. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse pour le câblage. Maintenant, on va continuer d'alimenter... tout ce qui est ballast et tout ça, donc là on a encore 4. Les ballasts elles consomment un peu plus, mais je crois que à 2 elles consomment moins de 1000. On est à 300. Consommation max d'énergie c'est 300. Donc encore une fois on peut utiliser le système de relais. Mais bon, là on a honnêtement on a assez de place. Tiens, on va mettre les ballasts à la fin. Voilà, entrée, très bien. Hop, ballast, on les met toutes là. Ici, on peut câbler les petites pompes, par exemple. Donc, prenez la petite pompe ici. Pompe là. Et celle-là aussi. C'est bien de câbler les mêmes choses aux mêmes endroits. Ça aide, honnêtement. Et bon, si vous en foutez, que vous voulez pas revenir sur le sous-marin, c'est pas grave, hein, vous câblez un peu comme vous voulez, hein, même si c'est fait à l'arrache. Mais voilà, c'est sympathique de câbler les choses. Alors, pour ce qui est ça, parce que ça aussi, ça reste en surbrillance, vous pouvez aussi le câbler en énergie. Ce qui va se passer, c'est que si vous les câblez en énergie, alors, les sous-marins de base,
je crois bien. Genre tout ça, là, le Berilla, le Camel, du Gong et tout ça. Tout ça, ce sont des sous-marins en fait qui sont très vieux, qui sont là depuis plusieurs années. Et je crois qu'aucun des casiers en fait qui sont à l'intérieur sont câblés. Même les tout derniers qui sont sortis un peu avant que le jeu sorte, je crois qu'il n'y en a aucun qui sont câblés. Donc ce que vous pouvez faire, on va copier ça, je vais vous montrer. Enfin quoi que je peux le. Enfin à la limite je peux le faire en vrai, comme ça on le câble et puis voilà. Alors on va prendre un relais. On va virer ça. Aussi si vous allez dans électrique, il y a énormément de choses. Hein. Le jeu peut être extrêmement compliqué. On va faire ça. Si j'enlève structure, oui, ok, structure c'est bon. Donc on va câbler ça. Donc là on câble. Ici. Après, si vous en avez beaucoup, parce que moi, des fois, je fais des rangées de 4. Je mets 2 relais, donc je câble les 4 casiers ensemble sur un relais. Et après, je câble les 4 étagères à bouteilles sur un autre relais. Et après, les relais, je les câble entre eux. Pour vous montrer, pour vous donner une idée, ça donne ça, en fait. Donc maintenant on câble ça. Là on n'a pas besoin parce qu'il n'y en a que 2 et 2, donc c'est pas grave. On a suffisamment d'emplacement. Mais quand vous en avez 4, ça fait 4 et 4, 8 du coup. Vous n'avez pas assez, du coup vous avez besoin de 2 relais. Donc hop, et là je câble le deuxième relais avec celui-là, avec entrée énergie. Donc en gros, je câble ça en dernier. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer le flux en fait de l'électricité. On a qu'à le mettre là. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que ce relais-là reçoit de l'électricité. Là, il va donner de l'électricité donc à étagère, à bouteille, en haut et en bas. Enfin, les deux du bas, celle-là. Et il va donner aussi de l'électricité à ce relais-là. Et lui va donner de l'électricité au casier. Donc voilà, tout est relié ensemble. Donc tout va fonctionner. Donc là, si on fait test... attendez, il va falloir mettre. Je crois que j'ai assez câblé les choses, je sais plus. On va voir, on va mettre ça. Allumer, contrôle auto. Ouh, il prend vie! Le sous-marin prend vie! Voilà, on a de la lumière et tout ça. On prend ça. Attendez, on va prendre lui aussi. C'est où l'oxygène? C'est là, c'est le 4. Voilà, c'est juste pour utiliser en fait la bonbonne. Hein, donc je respire. Vous voyez déjà le câblage, tout bête, ça fonctionne. Là, il y a tout qui fonctionne. Donc voilà, vous voyez que là, j'ai ma bonbonne qui est un peu utilisée, 88%, et celle-là, elle est à 93%. Si je remets ma combinaison, vous allez voir que la bonbonne se remplit. Vous voyez, elle se remplit. Voilà, pareil pour le bas. Si je les intervertis, 90%, 91%, etc. Oui, ça c'est très utile, mais comme j'ai dit, les sous-marins, quasiment la totalité, je crois, de ceux de base du jeu, n'ont pas ça câblé. Donc ça c'est une petite chose à savoir. Ok, je vais faire en sorte que le... On va aussi câbler. On va câbler le reste, puis après je vais faire un truc joli. Donc il nous reste après les moniteurs. Je sais pas si on a assez de... Oui, si on a assez, on a assez, c'est bon. On va câbler les moniteurs. Voilà, très bien. Il faut aussi câbler les armes. Alors les armes, par contre, ça va sur des super condensateurs. Alors les super condensateurs, c'est qu'en fait, ils vont emmagasiner une certaine quantité d'électricité, mais par contre, ils ont un rendement énormissime. C'est-à-dire que ça va aussi marcher, ça va très bien marcher sur les bobines. Alors, bobine électrique. Pam. Donc, les bobines électriques. On va pouvoir même en mettre sous le sous-marin, si on veut. Donc, les bobines électriques, ça va envoyer des décharges électriques, en fait. Et ça, c'est extrêmement pratique. Ça va envoyer des décharges électriques sur la coque, sur le long de la coque.
Et ça va stunner les plus petits ennemis, les plus petites créatures et leur faire un peu de dégâts. Bien sûr, les humains aussi, donc faire attention. Et il y a plusieurs en fait câblages à faire à l'intérieur. Et vous devez aussi câbler l'électricité. Et après, vous pouvez le déclencher à la main, c'est-à-dire avec un bouton. Vous appuyez sur le bouton, ça se déclenche, point barre. Et aussi, ce que vous pouvez faire, c'est le rajouter avec un détecteur de mouvement, par exemple. Et faire un truc complètement automatique. Genre, vous l'activez. Et une fois que c'est activé, dès qu'il y a quelque chose qui passe à côté avec le détecteur de mouvement, ça va s'activer, ça va envoyer une décharge. Ça, je le montrerai peut-être à la fin. Mais voilà, ça c'est un peu plus avancé pour le câblage, mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour du coup les condensateurs, il faut câbler, donc ça sert à câbler pour les armes en fait. Donc, sortie d'énergie, on câble celui-là. On va peut-être mettre les deux armes sur le même condensateur, c'est pas très grave. Et après, on va mettre la bobine, parce que comme ça, du coup, je vous montrerai la bobine sur ce condensateur. J'espère qu'on a assez d'endroits pour les boîtes de... Ouais, non, ça va. Je vais peut-être avoir un problème avec la batterie. Non, non, ça va, j'ai encore de la place. J'ai rien dit. On est bon, on peut voir. Ah, quoique... Ouais, je vais devoir peut-être câbler d'autres choses ensemble. On verra ça. Donc voilà, je vais remettre les câbles jolis, proprement. Et après, on continue. Ok, donc j'ai câblé, j'ai rendu les câbles jolis, je les ai fait tous bien passer comme il faut et tout ça, j'ai rajouté des gaines pour que ça soit joli. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça ou comme j'ai dit, vous pouvez complètement les rendre invisibles. Par contre là il y a un câble, on va genre retirer, voilà, on va le faire venir par-dessus le câble. Parce que même les câbles aussi ont une profondeur, hein. Vous pouvez voir que la profondeur du sprite, donc ça c'est le câble. Donc voilà, vous pouvez le faire passer devant ou derrière les objets. Je me fais pas trop chier pour le moment à cacher le signal et le câblage bleu des pompes. C'est pas très grave pour le moment, c'est pas un problème. Alors, il y a aussi une chose, on a un problème maintenant, c'est que... Alors en théorie, je crois qu'on est plein dans les boîtes de raccordement. Donc quand vous êtes comme ça, c'est pas grave. Parce qu'en fait, on peut pas mettre plus de câbles, à moins qu'ils les changent, mais ça m'étonnerait. Non, on peut mettre qu'un seul câble en fait à la sortie de l'énergie du générateur. Donc il faudrait quand même qu'on alimente aussi la batterie, ça m'intéresserait. Donc on va prendre ça et on va prendre un relais, on va les mettre ensemble ceux-là. Donc relais, et on va câbler ça ensemble. L'énergie, câblage, relais. On va faire exactement pareil que ce qu'on a fait avec les lampes. Oui, les lampes. Donc on va prendre celui-là, on va le retirer, donc ça l'enlève directement. On va prendre celui-là. Voilà, c'est le bon câble qui va à gauche pour prendre l'énergie à la boîte de raccordement. On va le démonter. Attention, on ne le fait pas sortir de la boîte parce que sinon ça l'enlève directement. On va le démonter, vous voyez que maintenant il pend. Double-cliquez dessus et hop, vous le récupérez. Et là, on le met au relais. Entrée de l'énergie. Clic droit et voilà. Là, on est câblé avec le relais à la place. Donc le relais, on va le mettre... peu importe, on va le mettre ici. Dans le mur, comme ça il ne se verra pas. On va refaire ça, que ça soit joli. Ouais, voilà, c'est très très bien comme ça. Voilà, on va faire un truc un peu logique, comme ça. Voilà, les câbles, normalement, sont beaux.
juste pour être sûr que ce soit bien aligné. Et voilà. Maintenant, on a une place disponible. La batterie, on va faire ça. Entrée. Voilà. Et je crois qu'il nous manque encore un emplacement, si je dis pas de bêtises. Je crois. Il nous manque un emplacement pour la sortie. Eh ben, on va câbler. Alors, toi, t'es où? Toi, tu vas où? Toi, tu vas là. Donc, petite pompe. Enfin, peu importe laquelle. Hein. Vraiment, peu importe. Donc, on va prendre celle-là. Hop. On prend le câble. Et on va le câbler ici. Voilà. Donc, du coup, il ira aussi dans le relais. Honnêtement, les petites pompes, il faudrait le faire dans les relais. Hein. Je l'ai dit au début, je ne l'ai pas fait pour aller vite. Mais voilà. Donc on va faire ça. Maintenant. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, sortie énergie. Très bien. C'est côte à côte en plus, c'est sympa. Voilà. Donc la batterie va être aussi alimentée. Maintenant si on le joue. La batterie va être aussi alimentée. Et elle va rendre le courant. Alors là bien sûr elle va rendre le courant en fait tout le temps. Parce que y a pas de... Eh merde, c'est pas le... C'est lui qui a la barre de d'uranium. Pam, auto, hop, nickel. Et vous allez voir que là il y a du courant alimenté en énergie. La charge pour le moment ça demande que 1200 en tout. Donc ça va. Les condensateurs vont aussi se charger. Je les ai branchés, les condensateurs, je crois. Oui, je les ai branchés. Il faut juste activer leur charge. Je les ai peut-être pas branchés. Je sais pas. Faut voir. Et cadence de la batterie, on peut le mettre à 100. Vous voyez qu'elle charge. Voilà, très bien. Donc la batterie charge. Par contre, le condensateur ne charge pas. J'ai mal câblé ça. On peut décâbler, décâbler. Ah oui, j'ai mal câblé ça. Oula, boîte de raccordement. C'est entrée énergie, en fait. Et là... Ah, on est bon. Celui-là, il se charge. On va enlever ça. Et celui-là, il devrait se charger aussi. Voilà, très bien. Voilà, nickel. Tout fonctionne. Il y a juste ça que j'avais mal câblé. Voilà, la batterie se charge. Tout fonctionne bien. C'est alimenté. Il y a tout qui... il y a rien qui brûle. On a de l'oxygène. Voilà, et là on a ça aussi qui est alimenté. Pour le moment c'est le bordel parce qu'on a encore laissé plein de choses tout autour, mais ça c'est alimenté. On a la vue électrique, on a le détecteur d'objets, on a l'état général du sous-marin. Voilà, il y a le niveau d'eau. Alors il n'y a pas de données pour l'air, je vais le montrer après. Mais voilà, il y a les ballasts qui sont ici, on voit les gens où ils sont. Nickel, il y a tout qui marche pour le moment. Très bien. On retourne à l'éditeur. On va donc recâbler. Sur ce que je fais en jeu, ça compte pas, hein, évidemment. Donc il faut câbler ça. Voilà, très bien. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre déjà la cadence. Placer la cadence, en fait, une fois qu'on est dans le jeu. Même là, en fait, je peux... Oh, attends, je vais enlever ça. On va prendre... combustible. On va en mettre un. Et on peut même activer. Et hop. Voilà, comme ça. Dès qu'on se met en jeu, ça sera activé. Voilà. Alors, pour les condensateurs, il y a un truc... Enfin, je vous le montre. Ça, c'est plutôt de l'électricité avancée, honnêtement. Donc, on va pas se prendre la tête avec ça. Mais voilà, ça, c'est comme ça que ça marche. Pour la batterie, pareil. On peut mettre la charge à 50%. C'est très bien comme ça. Maintenant, on va câbler... attendez, on va virer un peu des trucs qui nous servent à rien. Tout affiché. Que ça on en a plus besoin. On a fait le sous-marin. Ça on le vire. Ça on le vire. Ça on le vire. Ça je vais vous le montrer après. Le conducteur, ça aussi je vais vous le montrer. Ça on en a plus besoin. Ça aussi. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça non plus. Pour câbler aussi. On va câbler les. Avant que je continue. Pour l'électricité, je pense qu'on est bon. On a fait le basique. Ouais, on a fait le basique, ça fonctionne. Tout est alimenté. Il n'y a pas de problème.
Maintenant, on va commencer à faire un peu le logistique, j'ai envie de dire, tout ce qui va donner des ordres en fait. Donc, par exemple, pour ce qui est des armes, donc on va faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que celui-là, il est pour le canon du haut, donc on va le placer en hauteur, et celui-là, ce sera genre la hauteur normale. Celui-là, il est un peu plus haut. Donc, ça, c'est pour dire que celui-là, c'est le canon du haut, et ça, c'est le canon du bas en bas. On va juste avancer les sprites. Plus pour que ça passe. Voilà, c'est combien? 0,6. Voilà. Qu'est-ce que. Non. Voilà, 0,6. C'est quoi que j'ai. C'est quoi que j'ai fait bouger? J'ai fait bouger un truc. Je l'ai mis à 999. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est bon. Et on va câbler ça. On va commencer à faire du logistique. Donc position sortie. Donc là, on veut position dedans. Très bien. Et après, on veut déclencher. Donc ça, c'est déclencher le tir. Donc déclencher ici. Ce que vous pouvez câbler après, c'est la lumière. Désactiver la lumière, définir la lumière. J'ai eu des problèmes avec désactiver et activer la lumière depuis que le jeu est sorti en 1.0. Je sais pas. Il faudra que je refasse du câblage dans mon sous-marin, mais il y a des trucs qui fonctionnent plus. Donc voilà, donc ça, on câble. Position. Il y a eu des changements hein, quand même, il y a eu quelques petits changements, donc des fois il faut câbler les choses un peu différemment. Et là, on va faire position dedans, hop, changer l'état. Non, pardon, position dedans, c'était mauvais, non, définir lumière. On va recâbler ça. Position dedans, voilà. Et lui aussi a besoin de puissance, c'est vrai que j'avais oublié ça. Donc ça, on le raccroche à la lampe. Le projecteur, je crois qu'il. Peut-être 100 de lumière, je sais pas, 50 peut-être, je crois. De base, consommation d'énergie 50, donc ça va, c'est pas trop la galère. On va faire passer notre câble là. Voilà, ça va assez vite maintenant, vu qu'on a fait le plus gros du câblage, du coup c'est assez rapide. On va vous montrer maintenant les tirs, les armes. Ah, j'ai pas de munitions. J'ai pas de munitions, j'ai pas de munitions. Donc c'est du spear hein, qu'on utilise. Donc spear, munitions spear, nickel. Munitions spear, nickel. Let's go, test. Là le sous-marin, il reste plus grand-chose à faire. Il reste vraiment plus grand-chose. Voilà, donc si on va sur ça, vous voyez que maintenant ça fonctionne. Et ça peut tirer aussi. Lui pareil, ça fonctionne. Et vous pouvez tirer. Voilà. Nickel. Et lui aussi. Ah, on peut pas. Ah, on peut pas désactiver la lampe en cliquant. Bizarre ça. Et vous voyez que la lumière de l'avant fonctionne aussi. Qu'est-ce que je peux regarder au cas où? Non, non, tout fonctionne. Voilà, les deux se remplissent. La batterie aussi se remplit. Voilà, ça va. C'est bien. Nickel. On peut aller dans les ballasts. Il n'y a pas de problème. Il y a de l'eau. Nickel. Tout va bien. Donc pour les armes, c'est bon. On va virer les liens. Parce que sinon, ça, c'est chiant. Pour les armes, c'est bon. Je suis un peu surpris que la lampe, définir lumière, changer état peut-être. C'est juste un test, une fraction de seconde. C'est la lampe en fait qui me dérange. Je crois que c'est peut-être changer état. Ouais, il faut du courant par contre. Ah c'est bon ça, on voit le faisceau. Ouais c'est ça, c'est changer état en fait. Là maintenant quand je clique, je peux éteindre et allumer la lampe. Alors personnellement, moi j'utilise plus ça vraiment. Moi j'utilise genre un périscope qui est relié en fait à plusieurs projecteurs. Donc c'est beaucoup plus avancé, il faut des signaux et tout ça, enfin voilà, c'est beaucoup plus avancé. Mais voilà, ça c'est le truc vraiment basique. Maintenant, qu'est-ce qu'on va relier? On va relier, on devrait faire ça joli aussi, honnêtement. Aïe, aïe. Tiens, on va faire passer le câble rouge à côté du câble bleu, ou plutôt l'inverse. Chaque fois, faut que ça soit joli.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier le sous-marin aux pompes, au ballast. On va faire ça en vert, comme ça vous voyez la différence. Donc, vélocité X, c'est pour avancer. Si je dis pas de conneries, j'ai tendance à inverser. Et après, c'est quoi, c'est changer, c'est définir vitesse, je crois. Ça, c'est pour vélocité Y. J'ai toujours des doutes quand je fais ça, je sais pas pourquoi. Définir vitesse, fais voir. Je sais pas, j'ai toujours des doutes. Petite pause, j'ai fait une erreur sur les ballasts. J'ai vu ça en fait quand j'étais en train d'éditer la vidéo. Donc faites pas attention à la suite. Il faut pas mettre ça sur définir vitesse. Il faut mettre ça sur définir niveau cible. Donc voilà. Donc on va retester. Et en fait, ça évite les fluctuations dans la ballast. Je sais pas pourquoi je me suis complètement en fait gouré. Hein. Donc je vais vous montrer. Mais voilà, là on va avoir beaucoup moins de problèmes. Et c'est vrai que pendant que j'étais en train de faire le tutoriel, j'ai pas vraiment pensé. Et je l'ai vu vraiment au dernier moment quand j'étais en train de. Après avoir édité la vidéo. Donc voilà, nous sommes. Retour ici. Et on peut voir que ça fluctue beaucoup, beaucoup moins. Donc voilà, nous restons maintenant à moins 5. Voilà, la ballast maintenant est neutre. Et l'eau reste. Donc voilà, le fait d'avoir câblé juste un fil au mauvais endroit, ça foutait un peu le bordel. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut bien câbler la ballast. Voilà, c'est la dernière petite parenthèse. Maintenant, on va continuer avec le reste des vidéos.